Bonjour, nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo et un nouveau sujet de composition à faire ensemble. Allez, on commence. C'est un texte avec des questions. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo en français. Donc, après une année d'explication en arabe, j'espère cette fois-ci que vous allez me comprendre en français. C'est l'essentiel. Donc, pour apprendre une langue étrangère, il faut essayer de maîtriser la langue et essayer minimum de parler avec. D'accord? Je sais, vous n'allez pas tout comprendre, mais ma'lish, on essaye. Un peu de concentration. Allez, composition deuxième trimestre. En haut, donc, nous sommes une famille. Une famille. D'accord? Salut, moi c'est Anis. Ma famille est composée de mon papa Selim, ma maman Nadia, ma sœur Menel et mon petit frère Karim. Donc c'est clair. Donc nous sommes une famille. Salut, moi c'est Anis. Ma famille est composée de mon papa Selim, ma maman Nadia, ma sœur Menel et mon petit frère Karim. On passe aux questions. 1. Recopie la bonne réponse. Donc il y a Selim, Nadia, Menel, Karim, Anis. Donc dans ce texte, c'est Anis qui parle. Anis qui parle. Question numéro 2, je relis ce qui va ensemble. Je relis avec flèche. Papa Selim, ma sœur Menel, je pense. Maman Nadia et mon petit frère avec Kerim, je pense. 3, je remplace le mot souligné par il ou elle. Il ou elle, ce sont des pronoms personnels. Donc, on va remplacer les sujets, ce qui fait les mots soulignés. Donc, maman s'appelle Nadia. Maman, donc, on va la remplacer par elle. Elle s'appelle Nadia. Papa s'appelle Selim, donc il s'appelle Selim, masculin. Question 4, je complète par un ou une. Un masculin, une féminin. Un frère et une sœur. J'écris au pluriel, numéro 5. J'écris au pluriel une famille, donc des familles. On ajoutait ça à la fin. Je complète par numéro 6, poubelle, fille, garçon. Je complète par poubelle, fille, garçon, papier. Poubelle. Donc, Anis est un garçon poli. On met garçon dans le premier. Menel est une fille propre. Elle jette le papier. Donc, le deuxième vide, une fille. Elle jette le papier. Elle jette, le troisième vide, c'est le papier, dans la poubelle. Dernier vide, c'est la poubelle. Je répète, question numéro 6, je complète par poubelle, fille, garçon, papier. Anis est un garçon poli, Menel est une fille propre, elle jette le papier dans la poubelle. Donc ça, c'est le sujet de troisième année. Allez, bonne chance.